bienvenue dans la deuxième partie vidéo préparation USMLE Step 1. Si vous regardez la première partie, elle fait sa cougna et puis tourner pour regarder la deuxième partie pour mieux comprendre. Si je suis pour reprendre l'examen en cougna, je suis pour faire la préparation Step 1, qui ça m'a changé? Premièrement, je vais me changer, le map fait vidéo qui a plein que je fais. Au lieu de prendre note dans un cahier séparément, j'aime te faire là. Je vais prendre note essentielle dans le livre First Aid. Là. Deuxièmement, document qui est le test taking strategy. Document qui parle de stratégie pour prendre test là, je vais le plus bonheur. Malheureusement, j'ai même quitté FM jeune document, c'était vraiment peut-être une à deux semaines d'examen comme des jeunes. Avant ça, j'ai lu les documents ça depuis le commencement de préparation où tout a fait toute préparation avec stratégie ça. Une bagarre ça t'a permettre de faire plus bien, c'est gérer temps. Bah bon menti. Son petit garçon qui parfois me tête tu à mort. Ou quand même non question là. Dans examen carrément oui, bon question, me dit quête. Question ça me compte bête là. Pas ouais qui ça fait me pas ca jeune question même senti me compte question fait me déplacer non me pas faire next m'a prêté là dans question une minute a passé deux minutes a passé peut-être trois minutes a passé m'a fait coller sous tête moi me dit qu'est-ce pas deux pas jeune question ça ça sont bagarre qui très mauvais pas jamais fait ça ou à composer une question ou pour rajeunir la fois perdre du temps d'ailleurs dès pour finir les lois pour rajeunir ou choisir une réponse ou marquer ou move on. Lorsqu'il répond toutes questions, retournez sur lui. Peut-être le soir, 3 minutes devant, 10 minutes devant. Le on ça va aller plus bien au lieu de ça me faire. Ok? Nous connaissons le temps évolué et nous apprenons de l'erreur. Donc, après que je finis le processus de préparation et step 1 encore, après que je regarde des vidéos sur lui et je parle avec quelqu'un qui passe l'examen récemment, parmi quelqu'un qui a été aidé dans la préparation, je revise la stratégie de préparation et je pense que la façon de dire la plus efficace et la plus bon plus bons résultats côté au cas faire un plus gros score que peut-être ça me fait. Stratégie ça, je divise en trois parties. Craser bête, révision, précision. Craser bête là, c'est la première partie, elle a duré environ 3 à 6 mois. Et qui soit fait une partie craser bête là, ou craser bête. Ça, ça veut dire First Aid, Kaplan, U-Word, pour faire tout en même temps. Songez dans la stratégie que je vais utiliser. Je vais faire une vidéo net. Après ça, je fais First Aid. Là. Après ça, je fais U-Word. Là. Mais, il y a un petit problème qui est avec la stratégie. Ça. C'est parce que les cas sont difficiles. Après que je vais faire toute vidéo, faire toute matière net. Après ça, je fais livre là, je fais toute matière net. Et puis, je vais faire des questions. Il y a des bagages que je vais étudier. Peut-être un mois, deux mois de cela que je vais avoir tendance à oublier. Avec méthode, côté que je vais faire tous les trois bagages ensemble, c'est plus facile pour assimiler. Qui j'en? Disons que vous prenez un livre First Aid là ou vous allez faire système par système. Disons par exemple que vous allez faire système cardiovasculaire ou ouvrir livre là. Comme livre là sont condensés, sont résumés, donc c'est difficile pour comprendre le livre là. Donc en même temps, vous prenez une vidéo qui est plan ouvrir la partie cardiovasculaire. En même temps, on fait vidéo Kaplan, on fait First Aid. Là. Et lorsqu'on fait ça, on aller prendre question U-Word qui sous système cardiovasculaire là, et pour faire tout. C'est important, lorsqu'on fait U-Word dans la partie ça, on suppose faire sous mode tuteur. Ça, ça veut dire, mode tuteur, là, c'est juste que à chaque question qu'on répondre, on va répondre dans la même page. Là. Au lieu de faire toutes 40 questions, après ça, on va faire réponse toutes. Ça, ça permet tout. Ça permet tout étudier et en même temps, mettre ce qu'on va étudier dans le contexte question examen. Il y a un bagage qui est super important. Nous avons pensé son petit détail. C'est prendre note dans le livre First Aid. Là. Ça, ça veut dire. Ou alors, vous avez fait une question ou pas une question ou bien joindre. Il y a une bonne réponse à la question et vous expliquez au bête là. Et puis, vous pour ça petit A pas de bon, pour ça petit B, petit C, pour ça petit D pas de bon. Et ça veut dire, dans une seule question, vous avez une chance pour apprendre au moins 4 concepts. Lorsque ou même en bonne intelligence, vous fait, vous prenez un mot-clé dans le concept. Là. Par exemple, vous avez parlé de noter dans le système cardiovasculaire, vous avez parlé de fibrillation auriculaire, atrial fibrillation.
So, ou aller dans index Live First Aid là, ou regarder qui boyo parler de atrial fibrillation, ou aller dans page là. Et puis ou lit ça qui dit dans page et First Aid là. Si ça yo te répond nous, ça yo te bon comme bête dans your word là, ou est que li gen dans livre là, that's okay, ou pas besoin recopier. Mais si par exemple ou est son bagage qui pas dans livre là, en bon intelligent ou copier. Si pas gen place ou ajoute un petit mot sur papier qui colle yo ou écrit note là. Qui avantage ça pas gagner l'on fin préparer tout bagay net, ça veut dire l'on fin fait Kaplan, ou fin kaze betou, ou fin fait you word, ou fin kaze betou, ou fin rete un seul document nan men qui c'est First Aid. Et dans First Aid ça ou gen tout bagay net. Moi même et ouais me fait le fait que pas fait ça, me devine obligé à étudier cahier côté me prendre notre Kaplan yo, vin à étudier non l'autre cahier côté me prendre notre you word yo, et de notre côté me First Aid là pour m'étudier qui devine faire mon petit genre fatigué dans l'esprit. Parfait ouais ça. Après au fin fait phase craser bête, disons 3 mois fin passé ou bien jusqu'à 6 mois fin passé qu'on est pas dans phase de précision. Dans deuxième phase ça, on commencer par refaire your word là en deuxième fois. Et fois ça l'a fait your word là, on rassurer ou qu'on fait de manière à refaire time and random. Pas oublier dans commencement, dans phase craser bête là on te fait de manière ou te fait en mode tuteur. Ensuite ou supposé faire First Aid là encore en 2 ou 3 fois. Entre-temps, ou supposé faire 2-3 NBMI pour être auto-campé. Quand soit plaider craser bête, ou travail, ou supposé gon idée de qui boss score là et dans moment ça dans préparation. En face ça, il est très important que ou identifier faiblesse ou. Et l'on fin identifier ou ka par exemple utiliser documents supplémentaires que n'était pas les deux pour combler lacune ça. Ouf. Damn it! Aïe, nous pas grand-goût? Nous pas bouquet? Yeah, monsieur m'a parlé longtemps là. Eh bien, ok, on pousse. Ou fin kraser bête, ou fin réviser. On n'a pas l'entrée dans phase 3, stratégie de préparation, qui c'est précision. C'est sûr que à ce point, date examen n'a pas avancé. Ou fin investi l'argent ou fin investi temps donc pas gen jouet. Si ou continue faire dans phase de précision ou continue faire question your word. Pas oublier m'pa jamais ka suspendi comment ça important pour toujours faire question parce que examen c'est question li. Donc ou toujours faire question ou toujours faire question ça qui be cerveau toujours actif à travail. Bien sûr ou pas ka mémoriser tout bagay. C'est moment tout pour développer stratégie pour ka répondre aux questions malgré pas jamais kon bête là. Par exemple, ou utiliser méthode d'élimination, on dit petit a pas ka bon vrai, petit b1 on met touyem ça pas ka bon, petit c1 l'appli a ça pas ka bon. Madame d'abord le fait seulement, pardon. Avec stratégie ça, on saute banouan là, gien moun qui fait 240, 250, 260. Qui ça oué, c'est moun oué. Donc ou ka fait tout. J'aime te dire dans vidéo avant, ou besoin discipline. Et ça très vrai. Discipline comment? Par exemple, ou supposé faire horaire. Ou pas supposé juste aller en jodi am ka étudier après une semaine encore ma fonti étudier non. Ou supposé faire horaire et ou supposé essayer respecter horaire ça le plus qu'au capable. Oh guys. Pardon hein. Pardon. Je vais détirer sur mon. Je montre me bas ça là là. J'aime des petits. Les problèmes maintenant fatigué. Ça c'était stratégie que me proposer nous pour nous préparer USMLE step 1. Si n'gain bagarre que ne pas comprendre, pas hésiter rejoindre vidéo en deuxième, troisième, quatrième fois jusqu'à ce que nous maîtriser. Et pas oublier tout pour nous checker plusieurs links que me mettez dans description vidéo pour nous capitule en pile ca ba nous des informations additionnelles. L'homme de faire rentrer dans faculté de médecine même consacrer les USMLE question matching. C'est parce que j'ai des jeunes monde qui étaient devant moi, qui étaient partagés informations avec moi, qui fait des cas prendre route là et que me réussir là-dedans jusque là. Donc, je trouvais tout simplement normal pour moi pour partager informations que me connais avec nous. Parce que me connais même j'avais même te commencé, dans pile là nous qui pas gagne information yo ou bien qui gagne mauvaise information yo. Pas oublier guys, mettez toutes questions yo dans commentaire yo et m'a fait tout ça me capable pour me répondre une par une. Et pas oublier pas qu'une information pour ou qu'on a un monde qui besoin d'information ça juste partager la avec tout simplement. Regardez, on pas jouer, on pas griller dedans. OK?
et puis m'pas prendre excuse dans mes pièces même. Commencer travail et puis dans 6 mois, 1 an, commencer voir bel score step 1 ban moi. OK guys, so pendant n'a préparé mon l'autre vidéo m'a fait pour nous sur des trucs qui pour permettre nous augmenter score nous. Donc, restez branchés. Alors, on va vous faire. Exactement. Abonnez et puis cliquez sur cette cloche là.